Eh bien salut à toutes et à tous, Slime Company, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, que vous allez mieux que moi, puisque vous voyez en bas à droite, je suis un petit peu juste, hein. Je suis en train de mourir de soif et mourir de faim. On est le jour 3, il est 7h09 et on va vite boire l'eau de la source. Encore une fois, c'est une très mauvaise chose, mais aujourd'hui nous allons réparer ce problème, je vais vous en parler. En tout cas, bienvenue les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Merci beaucoup pour vos retours. C'est horrible ce que je suis en train de faire, mais j'ai pas le choix. Allez, tu vas y arriver. Voilà. On va manger notre viande qu'on avait déjà cuisinée au préalable. Même froide, c'est impeccablement bon. Voilà, impeccable. Et ce qu'on va faire, on va aller à une plage pour choper des tortues et de la viande et des carapaces pour les collecteurs d'eau. Tout simplement. J'ai libéré Calvin. Je l'ai libéré, hein. Vraiment, malgré ma déconnexion du jeu, il est resté bloqué. Donc en fait, tout simplement, j'ai dû enlever les planches du dessus et enlever la barre traversale ici. Et il a pu se libérer. Voilà, tout simplement. Donc on est parti les amis. J'ai un petit peu avancé, un peu continué la base. Aujourd'hui, bien sûr, on va terminer notre maison. Ça va être vraiment formidable. Donc voilà, j'ai un petit peu agrandi le truc. Je vous montre un peu le pattern quand même, mon idée un petit peu. Donc vous avez compris les fondations. Et en gros je vais faire un petit L là ici directement. Voilà, donc j'ai un petit peu Oh putain, j'ai pas réussi à l'avoir, dommage. Ah, j'ai faim, je suis un morphal, hein. Bon, on va aller à la plage la plus proche. Alors je me suis pas trop fait embêter pour être honnête avec vous, par les indigènes et les cannibales durant ma phase de construction en off. Donc ça fait plaisir. Voilà, jusqu'à présent bien sûr. Puisque maintenant que je suis en vidéo, je sens que je vais me faire arracher la gueule. En tout cas, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Oh, des biches. Oh, du bois. Incroyable. Et je me fais poursuivre. Je sens que je me fais poursuivre, les gars. Je deviens parano. Le jeu est beau, en tout cas, on en profite. Ouais, je voulais dire... je voulais dire quoi? Oh, mon Dieu. Ah oui, une superbe idée. À notre base, ça va être de faire un petit garage pour la golfette. Donc petite voiture qu'on peut conduire, la petite golfette là. Putain, il y a une grotte ici. Eh mais attendez. Eh mais c'est la grotte de l'imprimante 3D, incroyable. Bon, alors là les gars, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Pour le coup, c'était pas du tout volontaire. Eh ben écoutez, là ça fait plaisir. Donc là c'est une grotte safe et on a l'imprimante 3D. Donc vraiment déjà là, on se met super bien. OK, c'est cool ça. Ça c'est cool, ça fait plaisir, c'est sur le chemin. On en profite, donc là on peut récupérer du shatterton, du fil, des piles, des lampes normalement. Et ah oui, des panneaux solaires également. Ouh, de la résine, très bien. Mais attendez. Alors, est-ce que vous croyez que j'ai assez de résine pour faire un flacon? Crochet de grappin, filet, traîneau, on s'en fout. Flacon. Allez, 850 ml. On va pouvoir se faire des flacons pour pouvoir boire de l'eau. Ça déjà c'est parfait. Oh purée, ça fait trop plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir. Je suis trop content, voilà. Vous voyez, en fait, c'est on connaît la map. Bon, je suis content de pas avoir torché le jeu non plus vraiment, mais je connais la map. Mais voilà, on se fait toujours un petit peu surprendre quand même. Et donc on redécouvre entre guillemets, donc ça c'est cool. Est-ce que je peux récupérer Ah là, voilà. Hop, j'ai récupéré le flacon, impeccable. Parfait, bah écoutez, et je suis content parce qu'il y en a qui découvrent ce jeu à travers ma saison 2. Donc déjà ça fait trop plaisir. Parce que voilà quoi. C'était une fierté d'ailleurs d'avoir été l'un des premiers à proposer du contenu sur le jeu. Je remercie encore Ed Night Game, hein, du coup, de m'avoir offert la possibilité de faire un peu de l'exclu. Même si j'avoue, j'avais serré les fesses pour ceux qui se souviennent. Le premier épisode, il était sorti à 23h je crois, quelque chose comme ça. 23h minuit, j'étais en train de serrer les fesses. Minuit, j'étais déjà en train de tourner l'épisode 2, l'épisode 3. C'était vraiment incroyable. J'en garde vraiment des bons souvenirs de la saison 1 de Sons of the Forest. Allez, on arrive au niveau de la plage. J'espère juste qu'il y aura des tortues là-bas. Parce que bah, on est là pour ça en fait, hein. On est là pour les tortues clairement. Pour récupérer leur carapace. On va en profiter pour récupérer tous les loots également qui traînent. On va bien ouvrir l'œil aussi un petit peu pour être sûr de rien rater. Parce qu'on a plus les points d'intérêt sur la carte. D'ailleurs, il m'a pas mis sur le radar la grotte, alors qu'on vient de rentrer dans la grotte. Et ça c'est chiant, parce que je vais réussir à paumer le truc.
Voilà. Désolé, mais là, c'était un c'était de la nourriture gratuite. Hein. Là, le poisson, mon pote, dans le cours d'eau. Voilà. Hein. Vous m'excuserez. Mais il le fallait. Il le fallait. Ok. Bon, bah, c'est parti pour l'exploration, du coup. Avec le petit radeau rouge là-bas au bout. Là, il y avait rien à récupérer ici. Je vérifie qu'il y a des tortues. Ah, normalement, il y avait des tortues. Si je dis pas trop de conneries. Il devrait y avoir des tortues. Il y a de la musique. C'est bon, ça. Voilà. Non, arrête. Voilà, de la nourriture. Ça, c'est parfait parce qu'on est là pour ça aussi. Voilà, les piles. On récupère tout ce qu'on peut récupérer. Pauvre monsieur. On a récupéré un rail de pistolet. Mais on n'a pas récupéré de pistolet. Mais bon, c'est déjà ça. Petite mallette. Ok. Vous vous souvenez qu'on avait essayé de construire une maison là-bas là ? C'était catastrophique. Hein. Catastrophique. Il me faut une tortue ! Y a pas de tortue. Il y en a une là, c'est bon. Allez, désolé mon pote. Voilà. Je suis désolé, hein. Sincèrement. J'ai besoin de ta carapace. C'est primordial. Voilà. Et ta viande aussi. Tant qu'on y est. Voilà. Je vais épargner les autres tortues. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire cuire la viande. Parce que sinon on va avoir un petit problème. C'est que ça va être dégueulasse en fait. Ce serait dommage. Donc on va faire cuire la viande. Comme ça on n'aura pas besoin de les sécher. M'colo le cuisto. Voilà. Directement. Voilà. Tu la vois la mouette? Mouette mouette. On récupère les plumes. On récupère la viande. Et moi ce qui me fait plaisir c'est la jauge en bas à droite qui est vraiment bonne. Alors on va bien guetter ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, impec. Du coup, on va aller au radeau là pour voir un peu ce qui va se passer. Si ça se trouve, il y a des nouvelles animations, qui sait. Justement, hein. On redécouvre le jeu. Hop. Désolé pour tous les thalassophobes. Alors, j'ai hâte qu'on puisse crafter nos bateaux. Qu'on puisse naviguer sur l'eau et tout, ce serait vraiment génial. On a les oiseaux qui tournent autour du... Aïe! Oh putain, je me suis fait croquer le cul par quelque chose. Alors là... Alors là, mon pote, c'est pas bon du tout. Ça m'était jamais arrivé. Oh putain. Bon. On a un GPS. Un pistolet. Impeccable. Des brosses à dents. Très bien. Et on a un requin juste ici. C'est lui qui m'a croqué les fesses. Alors. J'ai deux options. Oh parfait. Oh je lui ai fait peur. Ça c'est pas mal ça. Ah il est de retour. Je crois que je l'ai eu là. Oh je l'ai tué. Je l'ai tué mec. Incroyable. Ok. Allez go, je peux pas le dépecer. On rentre à la maison. Je me chie dessus, voilà. Alors ça, ça fait plaisir. J'ai fumé mon premier requin, mais je crois qu'on peut pas les dépecer. J'avoue, j'ai pas trop envie de rester trop longtemps sur place. Oh, regardez-moi ces traces derrière. Non, franchement, c'est ça j'avais oublié, mais ça, c'est bien fait. Hein. Ce jeu est vraiment bien fait.
Ok, bon ben on a une petite pistolet, c'est parfait. On a de la nourriture. On a la carapace. On a ce qu'il nous faut. Du coup, côté exploration, on va peut-être pas forcer les choses. Et on va directement rentrer à la base et on va se faire notre maison. Voilà, on va terminer notre maison. Avec quelques petits plans du jeu quand même. Je vous laisse un peu profiter de la beauté. C'est vrai que je me suis dit j'allais faire une ellipse et vous retrouver à la maison. Mais en vrai de vrai, profitons-en quoi. Profitons-en, faisons des épisodes conséquents. Et je sais que j'en fais rêver plus d'un avec ce jeu. Parce qu'il y en a qui voudraient y jouer sur console par exemple. Et d'ailleurs bah, je vous le rappelle hein, le jeu est en développement. Clairement c'est la 7ème mise à jour qui est sortie. D'ailleurs au moment où la vidéo sortira, il y aura déjà eu une nouvelle mise à jour entre temps, une 8ème. Durant cet épisode on aura l'occasion de voir un petit peu les nouveautés. Mais pour le moment je tourne cet épisode avant Avant, ils font peur ces animaux, c'est pas vrai. Et bref, donc voilà les gars. Ce sera disponible sur console je pense, alors dans un an minimum. Sûr, je pense pas avant un an. Et après ça peut durer plus longtemps pour le développement, mais voilà, vous pourrez y jouer sur console un jour. Ne vous inquiétez pas. Et vous savez quoi, on va retourner. La grotte elle est en dessous là où on est rentré tout à l'heure. On va retourner au petit étang là-bas. Puisqu'il y a des trucs à looter. Et oui messieurs dames, l'avantage de connaître un petit peu la map, c'est de pouvoir un peu gruger. Oh, des myrtilles, impeccable, ça on sait que c'est bon. Ça on sait qu'on peut manger comme on veut. Je récupère. Là on a un petit stock de nourriture qui commence à se créer. C'est impeccable. Et là si je dis pas trop de conneries. Ah purée, c'est là qu'on avait rencontré Virginia la première fois. Trop mignon. Alors tu vois là aussi c'est un endroit où on aurait pu faire une base. Mais c'est tellement bruyant. C'est chiant quoi. Voilà. Et si je dis pas trop de conneries, on a, voilà, le monocycle. Trop bien. Trop bien. Allez, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Les circuits d'imprimante. Oh putain. Oh sa race de mouette. Oh sa race de mouette. Je me suis chié dessus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas. Allez, on va se... on va se remettre d'appoint. Oh le con quoi. Voilà. Oh je me suis chié dessus, j'ai même pas fait de bruit. Hop. Et on y va. Avec notre véhicule électrique. Incroyable. Avec ça on se met vraiment bien. Alors faut juste qu'on trouve notre base. C'est par là-bas, tout droit. On va juste faire gaffe à pas tomber. Attendez, on va faire du parcours. Vous êtes prêts? C'est parti. Ben oui. Voilà, et on va mettre la carapace. Voilà, comme ça, s'il pleut, on aura de l'eau. Bon, ben on n'a plus qu'à attendre Kelvin pour nous aider. On va se fabriquer, est-ce que c'est possible de se fabriquer une hache beaucoup plus performante avec de la pierre par exemple? Non. Massue. Alors non, ça j'ai crafté tout à l'heure d'ailleurs un lance-flamme là. Enfin un lance-flamme, une torche, un flambeau. Comment on fait une hache? Putain, il me propose pas le craft, il me manque encore des trucs. Ah c'est chiant. Flèche de pierre, arc artisanal, massue. Ah oui, il y a de la corde là. Oh. Bah voilà. Et ben on l'a notre... Ah non, c'est un outil de réparation. Ah, je me suis fait couillonner. Rien à voir. Je me suis fait couillonner. Bon, je vois pas comment on fait pour fabriquer un... pour fabriquer une hache. Bon, écoutez, on va garder cette petite hachette pour le moment. Et on va se faire notre petite maison. Et puis pour les prochains épisodes, de toute façon, on pourra partir à l'aventure directement. À l'exploration. Franchement, c'est tellement paisible ici. En vrai, c'est un havre, comment on dit? Un havre de paix. Ah, je crois que ça se dit, hein. Franchement, hein, vous m'enlevez les indigènes et tous les cannibales.
on est vraiment très bien. Sachant que comme dit, on va... Alors c'est pas cool, mais on va essayer de déforester un maximum. Oh, Calvin est de retour, mon amour. Voilà, on va essayer de déforester entre guillemets un maximum. Donc on va avoir une vue ultra dégagée. Alors c'est vrai qu'on est en pente et qu'on est en bas de la colline. Donc c'est pas du tout l'idéal en termes de sécurité. Mais comme on verra quand même bien la vallée, vous voyez, ça va être quand même relativement, relativement chouette quoi. Calvin, il n'y a pas de vilain. Ça m'étonne. Oh, il y a des baies ici en fait. Incroyable. Donc déjà là, on a de la nourriture illimitée à côté de chez nous. Hein, parce que les baies, ça repousse. Hein. Incroyable. Allez. En tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu, hein, les amis. C'est quoi cet arbre de merde là? Il est tout petit. Je dirais mon zizi. Comme d'habitude, hein, Calvin le boss, là, il est en train de tout défoncer. Mais je vous le dis, hein. Il est en train de tout défoncer, même là où je pensais pas. Du coup, c'est un petit peu chiant pour récupérer les bûches. Alors, on va tout de suite faire la porte d'entrée. Parce que ça, c'est le truc qui va vraiment nous poser problème. Donc, juste ici. Donc, comment faire, hein. Voilà les petites astuces. Ah, mais il faut encore monter d'un niveau, je crois. Attendez, je vais vérifier avant de vous enseigner des bêtises. Moi, j'aime bien donner des conseils, mais encore faut-il que ce soit faisable. Vous voyez, les bûches, elles sont dans l'eau. C'est génial. Oh non, des cannibales, non. Oh non. Oh, c'est chiant, hein. Je commençais seulement à m'amuser. Alors attendez, est-ce qu'il faut encore? Ouais, voilà. Donc une fois que ça c'est bon, tu vois, tu viens là, tu vas casser ici. Et de une. Et de deux. Et de trois. Et de quatre. Et de cinq. Et donc là t'as ta porte. Alors ça, attendez, on va juste, comme dit, hein, l'astuce c'est de sauvegarder tout ça. Donc pour ce faire, tu les places. Et là, on va pouvoir vraiment fabriquer une porte. Hop, on va balancer ça là-bas. Ah bah les cannibales sont morts, voilà. Les deux cannibales sont morts, c'est génial. Donc tu viens avec tes bûches ici. Et là, va falloir mettre des planches, tu les coupes en deux. Hop, voilà. Bon, ça, on va le garder. Et donc là, on a notre petite porte. Et encore, je suis pas... Non, c'est pas bon, ça, faut le mettre dans l'autre sens, hein. Voilà. C'est quand même beaucoup plus propre comme ça. Et on va pouvoir mettre également bien un petit verrou, un petit loquet, hein. Voilà. Donc là tu peux verrouiller sans aucun problème. Voilà. Ça c'est good. Eh, c'est bien Calvin là, tu déchires tout, hein. Calvin, t'es un monstre, hein. Calvin, t'es un monstre. Le soleil. Ah, le soleil il est en train de se coucher tranquillement là. Attention tout de même, il est quelle heure? Et 15h50, ça va, il est pas du tout en train de se coucher. Ah, il y a des nouveaux cannibales qui montent dans les arbres. Incroyable. Impec, Calvin, là tu déchires. Là j'avais pas vu, mais il y a plein de bûches tout au long ici, donc c'est parfait. Par contre, je me fais... poursuivre, oui oui, ah voilà. Bon, on le voit pas très bien parce qu'il fait nuit, mais il y a des cannibales qui se cachent dans les feuilles là, hein. Et là par contre c'est un petit peu complicado à gérer. J'aimerais bien éviter de dormir tout de suite parce que bah comme dit là on se fait embêter, donc là c'est un petit peu le début des problèmes. Là il y a pas mal de bûches, c'est super. Eh ben on va dormir et on va prier pour qu'on nous embête pas, tout simplement. Allez, Inch'Allah. C'est passé. C'est passé crème. Alors on va directement au petit déjeuner se bouffer ce truc là. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mmh. Voilà. Tu vas me boire cette eau, t'inquiète pas. Un jour, on va s'en sortir avec l'eau. Voilà. Allez, bon réveil. Il est quelle heure? Il est 7h. Nous sommes au jour numéro 4. Calvin a bien dormi, il continue même de nous aider. Ah, je suis content qu'on se fasse pas embêter par les cannibales là, parce que ça c'est absolument terrible. On va terminer les murs. Et ensuite on fera les fenêtres. Et ensuite on pourra peut-être s'attaquer à un étage supérieur. Eh madame! Eh madame! T'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe? Qu'est-ce qu'elle vient de faire au lapin? Elle vient de tuer un lapin là?
Elle a tué un lapin. Incroyable. Ah, elle mange le lapin. Oula. T'es une morphale, toi. Tu voulais pas me donner le lapin? Ah bah d'accord. Elle m'a volé de la nourriture. Superbe. Ah, toutes les mêmes, c'est une michto, hein. Très bien. Merci Calvin. T'es adorable. Du coup, en fait, ici, ça sert à rien. Donc, je vais enlever ça. Ça va nous servir plus tard. Ah, mais elle s'est encore fait un lapin en plus. Mais elle est lapin Nibal. Voilà, et je vais utiliser en fait les planches déjà là pour faire le plafond slash le sol de l'étage supérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal. Calvin il est parti faire sa life, hein. Alors on va mettre dans la même direction quand même, hein. Voilà. Voilà. Vous avez compris l'idée. Ah, je peux pas, si c'est bon. Voilà. Et après évidemment on pourra enlever les poutres au milieu là. Mais là c'est en attendant le temps de faire les fondations. Au niveau des fenêtres, tiens, on va mettre une petite fenêtre ici. Voilà. Non, on pourrait faire une fenêtre comme ça, voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. J'ai en profité pour récupérer ce que j'ai cassé, là. Ça va. Et puis voilà, bon, vous avez compris un petit peu l'idée. On va continuer la maison ainsi. Tout simplement, voilà. Ça va là, tu... C'est quoi le concept? T'as cru que c'était une couverture, le truc? C'est ça? Bon, écoute, pourquoi pas. Calvin, franchement, il me fait trop marrer, hein. Bon. Je me suis juste permis de changer un truc dans les paramètres entre-temps, d'ailleurs. Je viens de capter, en fait, la couille. En fait, j'ai désactivé la repousse des arbres. Parce que au final, oh là là monsieur. Puisqu'au final les arbres repoussent et ça me plaît pas parce que justement j'aimerais bien que ça ne repousse pas là. Donc voilà, j'ai désactivé l'option dans les paramètres. Comme ça, ça ne repoussera pas. Ce qui est cool, c'est que si jamais on galère, bah je peux réactiver l'option. Donc voilà. Ça va Calvin? Ah, il a bu à la source, ok d'accord. Calvin, attention, quelqu'un te veut du mal. Là on va avoir un petit problème. Et là on va se faire attaquer directement. Et ça me plaît pas. Regardez, je vais enlever mon arme. Je suis gentil. Je suis gentil, bonjour. Oh, il va m'attaquer. Oh, il va m'attaquer. Il y a Virginia en face, là, je la vois. Gentil, on est gentil. Ok, ils sont trois déjà. Trois. Ils sont trois. Oh non, elle va. N'attaque pas Calvin, hein. Tu touches à l'un des miens, je vous défonce, hein. J'ai pas peur de vous, hein. J'essaye de rester pacifique. Parce que je me dis qu'en restant pacifique, il y a vraiment moyen que ça fonctionne et que. Et qu'il nous fasse rien, quoi. Je sais pas, hein. Sur un malentendu, vu que l'IA a été améliorée. Gentil. Et là, il y a un cannibale qui arrive, par contre. Et ça, le cannibale, dans tous les cas, il sera méchant avec nous, ça, c'est pas un problème. Donc, à la limite, ils vont s'attaquer entre eux. Eh, on est ensemble, les mecs, hein. Ça y est, il part. Il part pas. Bon, allez, je vais couper du bois. On va être tous saoulés, là. Calvin, il est en train de fuir. Il est en train de faire le marathon de sa vie, tu sais. Bon, on va manger un petit sneaker pour reprendre de l'énergie, pour reprendre aussi un petit peu de santé, parce que là, à mon avis, ça va partir en cacahuète, hein. Je préfère vous le dire, ça va partir en cacahuète. Il est 11h13. Et ils sont en train de casser ma maison. Oh purée. Laissez-moi faire mes bails, hein. Yalla. Voilà, viens par là toi. Personne m'a vu. Personne m'a vu le faire, c'est bon. Normalement, ils sont pas censés m'attaquer parce que voilà, personne n'a de preuve.
À part Virginia là-bas, mais elle est gentille. J'espère que personne ne m'a vu. Parce que si personne m'a vu, je suis tranquille. Faire des petites barrières tout autour. Tu vois ? On va pouvoir faire des petites barrières, ça va être sympa. Pour ça, il faut garder les petites bûches. Là, vous comprenez vraiment l'intérêt. Hop. Attends, faut juste réussir à bien viser. Voilà. Ah, il m'a terminé la structure, parfait. Non, il reste encore 3 bâtons là. Il fait pas d'effort, Kevin. Hein. Il fait pas d'effort. Ils sont partis là, c'est bon, on est tranquille. Parfait ça. Ah non, ils sont encore là, putain. Oh, j'ai trop le seum. Attends, tu m'excuses, je récupère juste ça. Hein. Voilà. Saloperie, va. Bah. Bah. Petit lapin. Et il se passe trop de choses sur ce jeu. Hein. Il se passe trop de choses. Incroyable. Bon, le toit est quasiment terminé. C'est pas, c'est plutôt pas mal. Il a terminé la structure. C'est parfait. On va pouvoir mettre les os. Voilà. Attends, on va pas s'en sortir hein, avec eux qui rôdent. Fais sa petite pause, Kelvin, très bien. Et voilà les amis, bon le toit est terminé. Donc on va pouvoir en fait enlever les structures qui sont au milieu. Mais le problème étant qu'on n'a pas encore fait l'étage supérieur. Bah on peut toujours pas... voilà, il faut quand même faire attention. Par contre en bas ils sont en train de me foutre un bordel. C'est pas possible. Va falloir arrêter là, hein, tout doucement. Hein. Sinon je vais devoir te fumer. Hein. Commence à bien faire. Bon, en tout cas pour ce qui est des structures en bas, on va pouvoir enlever, normalement c'est assez solide. Donc on va pouvoir enlever par exemple cette bûche ici et cette bûche là, vous voyez ça tient largement. Ça devrait pas nous déranger pour la suite de la construction. Donc on va directement amener tout ça et on va voir pour faire un escalier intérieur pour monter à l'étage en au-dessus. Voilà, eh ben, compliqué hein. Compliqué, alors on va mettre ça là en attendant. Et donc là vous l'aurez compris, on va pouvoir faire les escaliers. Voilà. Pas facile. Faut vraiment tout anticiper. Comme je vous l'ai expliqué. Hein. Quand tu construis, faut vraiment anticiper chaque truc. Donc là au moins maintenant on peut monter. Bon là il faudra faire encore un sol ici. Oh oh. Hey, m'envoie pas des cailloux toi. Moi aussi je peux t'envoyer des pierres. Dégage. Dégage. Voilà, allez hop, suce mes boules. Et toi, tu vas terminer dans la mer. Eh hey, monsieur. Eh hey, il toque à la porte. Mais c'est énorme. Mais attendez. Salut. C'est énorme. Le mec il est chez lui quoi, à l'aise. Merci, bonne journée, au revoir. Eh, je suis sûr qu'il y a moyen d'être frérot avec eux. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen d'être copain avec eux. Bon, moi j'aimerais rentrer chez moi, si tu peux reculer, s'il te plaît. Monsieur. Monsieur, non, non, là c'est chez moi, là, monsieur. Non, non, vous sortez. Monsieur, vous vous êtes trompé. Monsieur, ici c'est chez moi. Oh putain, j'ai trop le seum. C'est pas grave, voilà je peux faire ça de là. Je peux récupérer ça je pense. Non je peux pas. Bon voilà au moins en haut c'est bon. J'ai réussi à réparer mon problème. Je peux vous dire je suis ravi. Par contre il faut sortir de chez moi là. Là ça commence à me casser la tête hein. Hop. Pas facile hein. Monsieur. Aïe. Ok, je rigole. Oh non. Qu'est-ce que t'as fait, Virginia? Madame, je suis gentil avec vous. T'as vu? Voilà, je l'ai réanimé. Ça, ça dégage. Je vais verrouiller ma porte de ma maison parce que je vais parce que je suis dans le mal, voilà tout simplement. Hop, voilà, hop, voilà, désolé Kelvin. Hein.
Viens Kelvin. Non tu veux pas rentrer, d'accord, très bien. Voilà, bon, une bonne chose de faite, faut encore que je mette une planche. Mais du coup on a l'étage supérieur, donc là ça commence vraiment bien à avancer. Bon là c'est vraiment insoutenable, je sais pas du tout comment on va faire pour s'en sortir. J'ai donc du coup pu faire le lit. Déjà c'est plutôt pas mal, on peut sauvegarder d'ailleurs directement. Hop, day 3. Enfin du coup on est day 4. Ok, putain, je me chie dessus en fait. Hein. Moi je veux bien les attaquer mais on va jamais s'en sortir. Hein. Là il faut que Virginia le m'aide. Hein. Et là c'est pas prévu de m'aider. Bon, je vais récupérer ces petits bouts de bois pour faire les petites barrières toutes mignonnes. Vous allez voir, ça va être bien sympathique. Hop. Bon, là aussi. Tac. Tac. Et normalement, si je ne m'abuse, on va pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. Ben voilà. Ça, c'est sympathique, ça. Ça me plaît. Bon les amis, je vous reprends, je vais être honnête avec vous, ça fait 4 jours que j'ai pas joué sur le jeu, en vidéo en tout cas. Donc j'ai fait quelques petites protections, on est toujours au jour 4 durant le jeu. Je me suis fait un petit peu moins embêter là en ce moment, donc j'en profite. J'essaye un maximum de faire des barricades. Je sais que ça suffira absolument pas. Le pire c'est que je suis un peu dans la sauce parce que bah, malheureusement j'ai besoin de laisser ouvert encore pour pouvoir ramener du bois. Parce que là je suis vraiment... Eh ben, tout simplement dans la mouise, hein, tout simplement. Donc voilà, j'essaye de faire un maximum de protection. Ça va Kelvin? Tu me ramènes encore du bois? Ok, il y a du cannibale là-bas. J'ai entendu un bruit dans l'eau là. J'ai eu peur. J'étais pas prêt. Les gars, faut savoir que là je viens de relancer le jeu après 4 jours. Là pour vous c'est la même vidéo. Mais je suis en panique, c'était quoi le bruit qu'on en... C'est quoi ce bruit là? Non, non, ça c'est des bruits d'eau, c'est-à-dire qu'il y a du cadavre. Ça, ça veut dire qu'il y a du cadavre, il n'y a pas de cadavre. Putain, ça me fait bader de ouf. Et il y a Virginia là-bas. Ça, c'est parfait. Hein? Ah, il est là le cadavre. What? Attendez. Attendez, je deviens parano. Voilà, ça y est, c'est le moment où vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, Mkolo il a changé. Oui bien sûr j'ai changé, là j'ai... Je me chie dessus. Je me chie dessus. Voilà, alors le feu il est où? Bah il n'y a plus de feu, voilà, comme ça l'affaire est réglée. C'est un lapin là-bas, très bien, ok. J'ai des bâtons, ok, très bien. Ok. Allez, on va se refaire un feu. C'est dommage que le feu il tient pas là. Bon, je vais pas le renforcer cette fois-ci, ça sert à rien. Ouais, si, ça permet quand même de tenir un peu plus longtemps, hein, soyons honnêtes. Voilà. Ouais, attention, Kelvin, je suis énervé, t'as vu? Je mets des coups de patate à tout moment, ça part en steak. Hop, voilà. Bon! Je sais plus ce que j'ai montré, ce que j'ai pas montré, j'ai toujours la viande ici. Est-ce que j'ai de la viande crue? Ça, c'est cru, ça. Je vais mettre ça là-dedans, là. Comme ça, on va faire cuire. Hein, c'est pas mal. Je récupère les petits bâtons en trop. J'ai 2 viandes cuites et une crue, je crois. Me semble-t-il. Je vais la mettre aussi. Comme ça, voilà. Comme ça, on a un petit stock. Ah, la viande est prête. Je la mets sur l'étendoir. Voilà. Je récupère les os. Voilà. Alors les amis, demain, au moment où je tourne cette vidéo... Ah mais vous avez vu, il y a des bugs de son. J'ai entendu dans mon oreille gauche alors que ça s'est passé là-bas, le meurtre de Virginia sur le lapin. Demain, il y aura probablement une nouvelle mise à jour. Donc dans la suite de la vidéo, vous verrez, hein, vous inquiétez pas. Mais pour ma part, je n'ai pas encore la mise à jour. Si mise à jour il y a. Mais vous verrez ça très prochainement. Ah mince, j'avais pas assez fait chauffer le... Bon, c'est pas grave. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Bon. Ouais, on va se faire un petit garage, ça va être assez sympa. Et ça va nous permettre de récupérer encore du bois, tiens. Pas mal. J'avais pas pensé à ça, je me suis laissé emporter en coupant du bois. Regardez, je vais pouvoir... Ah non, je peux pas prendre là. Je peux pas prendre là. Je peux pas prendre là non plus. Là, je peux. Là, je peux. Là, je peux pas. Ah mince. Ah, c'est pas aussi incroyable que ce que j'imaginais.
complètement dingue. On va allumer un petit feu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-bas, les gars? Attendez, je suis en train de voir un truc. What? Ah oui, d'accord, c'était juste. Eh, hey, ce tronc là, il m'a fait trop peur. Des baies, parfait, voilà, on va récupérer des baies. Très bien. Voilà. Bon, il est quelle heure là? Il est 17h22. Bon, c'est pas mal. On va pouvoir dormir juste après. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Profitons-en là. Profitons-en. J'ai fait repousser du bois d'ailleurs, hein. J'ai activé dans les paramètres pour repousser du bois parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Et voilà. J'ai redésactivé. On va pouvoir commencer à fabriquer des petits trucs assez sympas. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment la priorité pour le moment? Là, il faut qu'on se protège, quoi. Parce qu'il y a des cannibales là. Hein. Il y a des cannibales qui rôdent, hein. Il faut qu'on se protège, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va essayer de dormir. Alors ce qui est cool, voilà, vous avez entendu encore la flotte. Ça, c'est un cannibale qui s'est noyé. Donc vraiment, vous l'aurez compris, on a une chance extraordinaire. C'est qu'une chance sur deux, les cannibales se noient. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des indigènes qui arrivent à venir, t'as vu? Enfin, t'as vu, j'ai pas vu, mais j'ai entendu. Il y a des bruits très bizarres. Eh, je vais même pas dormir là. Ok. J'ai réussi à dormir, je sais pas comment. Je parle plus. Il y a quelqu'un qui a crié. Il y a un indigène juste en bas, regardez. Hop. Que dalle, il n'y a personne. Je ne comprends pas. Mais j'entends des bruits, c'est un truc de ouf. Vous m'aviez suggéré d'offrir un cadeau à Virginia. C'est une bonne idée, je vais voir si je peux. Vous voyez ce lapin par exemple? Dommage. Attends, on va aller voir Virginia. On va essayer de se la pécho. Pupus! Eh hey, Pupus! Ça va Pupus? Je suis gentil Pupus. Voilà. Ah, fort embêtant. Bon ben voilà, bah c'est bon, voilà, ça me change pas de la vraie vie, hein, vous allez me dire. Voilà, allez, c'est parti. On va manger, on va boire. D'ailleurs, du coup, ben non, alors vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse, parce que j'ai une gourde. Mais la gourde, c'est bien beau. Je peux récupérer l'eau là, mais l'eau là, elle n'est pas bonne, l'eau là. Donc, il faudrait que je fasse chauffer, que je fasse bouillir l'eau. Si je fais bouillir l'eau, l'eau sera bonne. Oh putain, une biche. Mais pour faire bouillir l'eau, il me faut une casserole. Ah bâtard. Et pour avoir une casserole. Oh mais ferme-la toi, putain, tiens, prends un soda là. Prends ton Red Bull, fais pas chier. Putain, il abuse aussi, hein. Il abuse. Et voilà, mange ça. Il nous faut une marmite. Donc pour trouver une marmite, il faut qu'on trouve un camp indigène. Et donc pour trouver un camp indigène, on va se faire soulever la gueule. Et donc on va y aller de ce pas, les amis. Voilà, je vais juste terminer. Allô, de faire. Les petits trucs là en haut parce que j'aime bien, c'est plus sécurisé. Kelvin, tu m'as fait un petit peu peur. Du coup, ben les amis, on va y aller. On va y aller. J'ai rien à récupérer ici en soi. On va juste faire une petite sauvegarde et on va explorer un petit peu la map, hein, directement. Hop. Puisque c'est le matin, le jour 5, 7h37, on va un petit peu explorer, on va monter. Vous savez quoi, il y a une caverne là-haut, donc on va suivre le cours d'eau. Et on va voir où c'est que ça va nous mener, tout simplement. Voilà, on va un petit peu se promener. Si on peut trouver des petites choses, des petits loots, des petits indices concernant l'aventure. Évidemment, je rappelle qu'il y a eu des mises à jour, donc probablement peut-être des trucs à découvrir sur le chemin, qui sait. Je ne sais pas. On va suivre en tout cas le cours d'eau. Ça nous fait un grand épisode, vraiment. J'espère que ça vous va, un épisode par semaine. Faut voir, c'est un test. Le problème, c'est que je peux pas. J'ai du mal à faire autrement, là, j'ai vraiment pas le temps. Et surtout bah, pour pouvoir vous proposer du contenu qui est intéressant. Parce que si c'est juste me voir comme la saison 1 à faire chaque truc en vidéo, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le truc le plus palpitant. Donc je préfère vous sortir une grosse vidéo d'une heure qui ressemble presque à un condensé de 10 épisodes et que ça sort toutes les semaines. Voilà, je pense que c'est quand même peut-être plus sympa. Taras,
Je sens que je me fais poursuivre un peu, hein. On récupère les baies, très bien. Très joli, hein, ici, hein. Rien à redire à ce niveau-là. Voilà, il fait relativement beau. Il y a un lapin, frérot, il arrête pas de courir, il me fait purée de peur. Là, je vais... Je suis pas bien du tout, là. Ok. Oh. Non, je pense que c'est les troncs d'arbres que je vois là-haut. Alors, attendez, j'ouvre la carte. Ouais, on n'a pas avancé de ouf. Il y a un petit étang, là, regardez. Un petit étang. Oh, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'il n'y avait pas ces petits étangs avant. Ça, c'est nouveau, messieurs, dames. Incroyable, ils ont vraiment comblé la map. Énorme. Alors. Alors, on va se calmer. On aurait pu s'installer là, mais ça m'a pas l'air très, très docile. Un petit peu hostile par ici, hein. Allez, on va continuer par là, écoutez. Je les ai vus, hein, les cannibales, hein, je vous rassure. Jusqu'à présent, j'ai pas attaqué... Enfin, si, j'ai attaqué des méchants, mais je l'ai jamais fait sous les yeux des autres. J'ai toujours fait ça discrètement. Et du coup, ça fait de moi quelqu'un d'assez sympa. Vous voyez ? Voilà. On va me sauter dessus, hein. Je la sens venir. Ok, des petits cailloux, des bâtons. Non, ça, ça se mange pas. Là, il y a une grotte, là, c'est sûr. Là, c'est sûr, il y a une grotte dans le coin. Oh putain. On me poursuit. Je savais bien qu'on me... Je le sentais. Je me sens pas le bienvenu. Pour tout vous dire. Je vais prendre un peu de hauteur. Et c'est pas mal ici là. Là on prend un peu... Eh mais attends, mais on est où là? Alors... Il faut savoir qu'ils n'ont pas retouché la map. Ils ont juste ajouté des étangs, des loots, des structures à la limite. Normalement, ils n'ont pas retouché la terraformation. Mais bon, cet endroit me dit rien. Ok. Et on fait du sport, hein. On fait de la montée, on fait de la descente, mon pote. Jamais de la vie tu fais ça, hein. Petite balade, ça change. Il y a des lapins partout. Ah, la grotte qui est là, ouais, je la connais. Très joli ici, hein. Magnifique. Non, la grotte, elle est là. La grotte, elle est en dessous. Ouais, d'accord. C'est la grotte, c'est une des premières grottes également qu'on avait faite. Mais putain, je me fais poursuivre. C'est pas vrai. Est-ce qu'on essaye la grotte? Est-ce qu'on va voir? Pff, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, on récupère une arbalète. Du tissu, des cordes. Rien d'autre? Allez. Allez. Allons-y. En avant, Guingamp. Je me chie dessus. Allez, on y va, accroupi.
Il y a une tyrolienne. Quelque chose me dit qu'on pourra pas revenir. Ah mais je peux même pas. J'ai pas la tyrolienne. D'accord. Et là il y a quoi en bas là? Si j'y vais je suis mort. Ok. Il n'y a pas de tyrolienne. Ah je sais plus du tout où c'est la tyrolienne. Bon au moins on aura regardé. Il nous faut donc une tyrolienne. Ok. Et j'ai un cannibale qui... Ah non pas du tout, c'est des pierres. Bon bah écoutez, on va redescendre le cours de l'eau. Et en fait c'est le cours de l'eau qui est à côté de notre base aussi j'imagine. Ça va rejoindre. Ouais. Très bien. Attends, on va longer par là, il y a un point d'intérêt. Il y a un point d'intérêt là-haut. On va aller voir le point d'intérêt là-haut. Eh hey, attendez, cet endroit il n'y a pas... Non, il n'y a pas de mec. Des fois j'ai des bouts de souvenirs qui me reviennent donc j'en profite hein. Les gars, autant en profiter mais en fait rien à voir. Allez, on va aller voir le point d'intérêt là-bas. Histoire qu'on fasse quand même quelque chose un petit peu de concret. Et ça nous change un peu le paysage aussi. C'est par là-bas. Ah ben là où on va, je crois que c'est là où il y a un mec qui est pendu, si je dis pas de bêtises. Sans vouloir spoil bien sûr. M'étonne que je me sois pas fait encore vraiment attaquer officiellement, je veux dire. Parce que en vrai de vrai, t'as vu, je me suis pas non plus fait attaquer de ouf hein. Bon là à tout moment ça part en couille. Dans les hautes herbes là. Ok, on y arrive. C'est ici. Là, je suis perdu, moi. C'est ici. Normalement. Ah ah. C'est pas là. On y arrive, ça bip. Voilà. Juste ici, on a le mec. Bon, là, vous le voyez pas, mais vas-y, ça sert à rien de descendre pour le voir. Vous avez compris, j'ai juste à faire ça. Hop. Normalement, là, il vient de tomber. Voilà, tout à fait. Du coup, nous, on va pas tomber. On va faire le tour. On n'est pas débiles. Ok. Eh, je suis vraiment désolé par contre les amis, je suis sous pression. C'est à dire que la première demi-heure de vidéo, bah j'étais d'une certaine façon. Et la demi-heure suivante, je suis plus du tout le même, je suis absolument désolé. Vraiment il y a 4 jours je sais pas comment j'étais, mais là je suis pas pareil, j'en ai bien conscient. Eh, ici c'est un super coin aussi pour s'installer en vrai hein. Alors il y a quand même pas mal de coins où on peut s'installer, ce qui est assez ouf. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée de s'installer là. Bon, il y a quoi? Localisateur. Lampe de poche. Je vais peut-être essayer de faire des cocktails molotov là si c'est possible. Ouais, j'ai du tissu. Donc on va en profiter, on va faire des cocktails molotov en masse. Hop. Parfait. Allez, on enchaîne, ça régale. Comme ça on peut de nouveau récupérer de l'alcool en plus. Et ce sera fort utile. Voilà. Il y avait rien d'autre, hein. C'était juste la lampe de poche en fait. Oh putain, Taras. Où c'est qu'il est le mec, je ne sais pas. Mais il fait beaucoup de bruit. Très bien. Bon, on va pas enchaîner hein, les points d'intérêt, c'est pas le but du jeu. Hein. Il faut juste qu'on rentre à la maison. Et c'est par là-bas. Par là où il y a eu le bruit. Allez, on va rentrer à la maison. Moi je vais refaire une coupure hein, pour être honnête avec vous. Parce que je ne sais pas quelle sera la mise à jour du lendemain. Et donc, bah, juste après cette coupure,
bien, il y aura peut-être une mise à jour ou pas. Hein. Ça se peut, il n'y a pas de mise à jour. Hein. Je n'en ai aucune idée, mais généralement, c'est le jeudi. Donc voilà, je vous tiens au courant. Moi, je rentre à la maison. Et je vous dis à tout de suite si jamais il ne m'arrive rien. Ah ouais. En fait, j'ai un joli petit chemin en fait qui m'amène à la maison. C'est pas mal. Et du coup, on la voit de là, c'est vraiment chouette. Allez, à demain. Allez, de retour les amis, on va faire un petit somme. Je vais vous montrer pas mal de choses. Et le patch numéro 8, d'ailleurs, est sorti. Nous sommes au jour numéro 6. On va s'en arrêter là pour cet épisode, après vous avoir montré les nouveautés du patch, du coup, numéro 8, qui est donc sorti, bien sûr, ce jeudi. Voilà. D'abord, je vais manger la viande déjà cuite juste ici, parce que j'ai faim. Oui, oui, tu vas te détendre, Réo. À un moment donné, faut arrêter. Vivement, vraiment. Ah ! Fils de pute, pardon, il m'a fait peur, Kelvin. Voilà, vivement qu'on ait de l'eau potable, hein. Alors déjà, vivement qu'il pleuve, finalement, là, j'aimerais qu'il pleuve. Et en même temps, il faudrait une casserole. Voilà, il faudrait qu'on trouve une casserole, impérativement, de sorte à ce qu'on puisse bouillir l'eau. Voilà, et avoir de l'eau potable. Alors, déjà, ce que j'ai fait, les amis, j'ai terminé, j'ai pas du tout terminé la maison, qu'est-ce que je raconte. J'ai continué la maison, j'ai fait un maximum de barricades. Voilà, je peux vous dire que Kelvin, il est épuisé, hein, je peux le comprendre parfaitement, avec le traîneau ici et la porte ici. Dieu merci qu'il y a de nouveau les traîneaux sur le jeu. Voilà, on a un petit peu déforesté, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien nettoyé comme zone. Alors au niveau des nouveautés donc du patch numéro 8, il y a pas mal de petites choses et notamment alors on a des nouveaux pièges, enfin un nouveau piège. Alors il se trouve, si je ne m'abuse, utilitaire, non ça se passe ici, le nouveau piège il est là, le piège OK Poney. Donc un piège relativement chouette, hein, finalement relativement chouette. Donc on aura l'occasion de découvrir ça dans le prochain épisode. Et puis l'autre nouveauté. Et ça fait plaisir parce que c'était quelque chose que j'attendais un petit peu. Et je me suis dit que ça allait vraiment arriver. Et c'est arrivé. Et bien c'est les barrières électriques, les clôtures électriques. Donc comment faire? Et bien il faut faire des barrières normales, hein, avec des bâtons, hein, directement. Donc les barrières comme ceci. Hop, tu vois, tu les places. Tac. Alors on va pas s'énerver, hein, voilà, on va poser tranquillement. Et puis par dessus on va mettre du fil, de la ficelle. Et c'est exactement ce que j'imaginais. Je me suis dit un jour on pourra le faire. Et bien ces choses faites. Alors est-ce que j'ai du fil en fait? Parce que moi je vous vends du rêve. Je vous vends du rêve. Est-ce que j'ai de la ficelle? Attends, allume la lumière, frérot. J'ai de la ficelle. Non, c'est de la corde. J'ai des panneaux solaires, c'est déjà pas mal. Mais j'ai de la ficelle, normalement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai les ampoules. Ah non, j'ai pas de... Attends, j'ai une bourse. Incroyable. On va ouvrir la bourse. Ça se trouve, bah non, il y a que dalle. Dommage. Je n'ai pas de ficelle. Bon, ça, c'est con. Bah, il suffit juste de mettre de la corde... de la ficelle, que je rentre. Il suffit juste de mettre de la... Oui, du fil électrique. Ouais, je n'ai pas de fil électrique sans déconner, là. Putain. Bon, faut mettre du fil électrique, relier ça à de l'énergie, donc le panneau solaire. Et en fait, c'est carré, quoi, tout simplement. D'ailleurs, on peut faire à deux étages. Voilà, je prépare déjà. Ah, c'est pas comme ça que j'imaginais le truc. Oh, pas mal, ça. Pas mal. Et d'ailleurs, maintenant, la ficelle... Alors, souvenez-vous, les fils électriques... On pouvait que les faire relier avec les bûches. Bah maintenant on peut les faire relier par exemple de là à là. Et ça fait un fil qui est étendu. Voilà, enfin, plein de petits trucs comme ça, des petites subtilités. Donc vraiment super cool. Donc voilà pour le patch 8. J'ai envie de dire l'essentiel en deux mots de ce qu'on peut retenir de des nouveautés. Maintenant Kelvin et Virginia peuvent nager dans l'eau également. Ça c'est pas mal, ils peuvent nager dans l'eau. Donc voilà, pas mal de petits trucs comme ça. Y a un cannibale là qui s'était caché ici. Alors toi mon pote, il y a plein d'indigènes qui sont en train d'arriver là-bas. Mais c'est génial. Donc j'ai fait un mur de protection qui ne sert à rien. Voilà. D'accord. Voilà qui fait plaisir. Bon, une heure de vidéo, j'espère que ça vous va. Vous me direz en commentaire, hein, moi je m'adapterai vu que j'ai une semaine pour préparer à chaque fois le prochain épisode. Si c'est trop long, vous me dites. Vous allez dégager, oui. Ça dégage. Merci bien. Hors de ma vue. Mais c'est quoi ta gueule? Mais t'as vu ta sale gueule? J'ai jamais vu une telle laideur. Hop, ça dégage. Wesh. Mais suce mes boules. Oh non, il a réussi. Non, eh, par contre, ils ont changé, frère. Hein. Ah ouais, ils ont changé. Bon, va falloir que je termine encore, que je mette des bûches ici, là. En fait, faut vraiment que je barricade. Et au fur et à mesure, j'agrandirai. Mais il faut déjà que je barricade pour que je sois tranquille. Vous voyez déjà là normalement ils peuvent pas passer ici là. Là ils peuvent pas passer.
Là il faudrait que je barricade du côté droit. Ce serait vraiment pas mal. Bon je vais faire ça tranquillement les amis. Je vous retrouve du coup samedi prochain en espérant que ça vous va. Et sinon vous me faites péter les likes. Vous me faites comprendre que vous voulez un épisode plus tôt et je ferai tout pour le faire. Même si c'est compliqué pour moi, mais voilà. Les gars, si vous me le prouvez, je peux. Sinon, en tout cas, on se retrouve samedi prochain. Bon week-end, les amis. N'oubliez pas le like. C'était Mkolo. Je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde.